après avoir lu les grandes aventures de Jacques Cartier. Dans son voyage de 1535, je trouvais un bout que je crois qu'il va vous intéresser. J'ai connu Alexis Tremblay de l'île aux Coudres un peu par hasard. C'était un homme pour parler. Mais maintenant qu'il est mort, je sais que beaucoup de mes questions resteront sans réponse. Pour lui, l'important, c'était de savoir comment le nom de Tremblay était parvenu au Canada. Il était donc dans l'ordre des choses. Premièrement, le berceau de mes ancêtres. Oui. Attends, Planck, s'il y a Planck comme il faut, là. Cependant, Marie, sa femme, n'était pas aussi évidente. Elle le laissait toujours parler, d'ailleurs. Il a fallu que je la rencontre sans lui pour réaliser qu'elle appartenait surtout, elle, au présent. Comment aurait-elle pu glorifier ce temps de la misère qu'Alexis exaltait? Elle qui a vu mourir dans ses bras 8 des 16 enfants qu'elle a mis au monde. Entre autres chansons qu'Alexis chantait, il y avait la grande geste de l'ancienne pêche au marsouin. J'ai eu un jour l'idée de relever la pêche au marsouin avec eux. J'en ai tiré un film pour la suite du monde. Et c'est une fort bonne terre, et grosse, pleine de beaux et grands arbres, de plusieurs sortes. Et entre autres, il y a plusieurs coudres que nous trouvons fort chargés de noisettes. Et pour ce, l'anomène, île aux coudres. Un autre Tremblay, descendant de Pierre Tremblay de la Filonnière, près de Randonnée, dans le Perche, surnommé Besin Jaune, capitaine de goélette, sera le principal personnage du prochain film, que j'intitulerai peut-être Mandat, du nom de son bateau, ou encore Les voitures d'eau, comme il désigne à l'île toutes sortes d'embarcations. Une dernière goélette a été construite il y a une dizaine d'années, et se nomme le Jean-Richard. Donc, ce métier très savant de construire à la fausse équerre et de naviguer à l'estime, bientôt n'aura plus d'usage. Et ces hommes, ces navigateurs, se posent une question. Que ce fleuve qui se nomme Saint-Laurent, d'autres ont pu l'appeler Saint-Lawrence. Qui arrive. La goélette de Laurent, c'est une... ah, ça, c'est un des plus vieux bateaux actuellement de l'île aux Coudres. Il a 24 ou 26 ans. On dit qu'il l'a refaite entièrement. Il espère qu'elle va vivre encore 4 ou 5 ans. C'est vraiment force de travail parce que cet homme-là, j'ai jamais rencontré quelqu'un ayant une capacité de travail semblable. C'est un petit homme, il est au-delà de 50 ans. Eh bien, lui, il est le premier sur le chantier à 8 heures le matin pour travailler sur sa goélette. Mais avant, il s'est élevé à 4 heures, puis il y a déjà quelques gibiers, quelques canards de tuer quand il arrive. Et puis le soir, c'est pareil. Le soir, il va aller à la pêche après le travail. Il est inlassable, il est infatigable. C'est d'ailleurs un capitaine que tous les autres aiment beaucoup. Là, il a son petit chapeau de paille. Ça vient à pêche. Une barbotte, deux barbottes, pas de barbotte. Ah ben, Néré sont pas là. Voilà. Salut Néré. Ah, quand ils sont chargés, comme ça, il y a de l'eau sur les ponts. Tu vois, la ligne de flottaison, là, c'est exactement, tu vois, l'eau qui décharge les ponts. Vraiment, ils essaient de tirer le maximum, tu sais, parce que... C'est pas remis le voyage. Je pense qu'il fait un peu plus de deux voyages et demi par semaine. C'est pas tellement loin. Mais il y a le problème de la marée quand c'est terminé trop tard, ils perdent 6 heures de marée. C'est capitaine de mandat. Bienvenue comme moi. Bonjour monsieur. On est là-bas. Bonjour monsieur. Madame Bazin, là qui est là. Enchanté madame. Et on dit que ça fait assez longtemps que tu photographies les autres, on va aller te photographier. Ça fait que, là, ils sont en train de me filmer, là, puis probablement qu'ils vont...
Si je vous agace pas mal quand, ah, quand je fais des films avec vous autres. Pas mal, malcommode. Il donne du trop pas mal. Il est exigeant. Ah oui? Très exigeant. Il est bien difficile à contenter. Ah, je recommence souvent, je trouve, c'est ça. Je dois t'embrouiller un peu des fois. Ben. Comment vous avez connu ces capitaines? Moi, je les ai connus par les Locoudres. Moi, j'ai commencé à... C'est toute une histoire, évidemment. J'ai fait ce film qui s'appelait Jean Richard, qui est le point de départ de Goélette. J'ai fait ça il y a 8 ou 9 ans. C'est de l'industrie des Goélettes, l'industrie de la construction des bateaux de bois, qui est très artisanale. Autour de l'île aux Coudres me passionnait, m'intéressait en elle-même. Je trouvais que c'était un beau métier qui regardait, c'est ce qu'on a fait avec le film de Jean Richard. Mais en cours de route, on s'est rendu compte que c'était une entreprise désespérée, que tout s'éteignait, tout disparaissait. Et c'est d'autant plus tragique que ce métier qui nécessite de la part de ces gens-là une quantité importante, très grande de connaissances, ces connaissances-là ne peuvent pas être transformées, ne peuvent pas être réutilisées. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Ben, je travaille avec eux, à vrai dire, je ne travaille pas cinématographiquement avec eux. La caméra est un accident. J'essaie d'entreprendre quelque chose avec eux. Par exemple, l'idée de base, du début du film, c'est la construction de ce canot-là. Ah, je m'y suis intéressé personnellement. Je m'y suis intéressé pour apprendre et puis pour le faire construire. Ce qui fait qu'en définitive, on avait un canot à construire ensemble. Moi, il y a une chose qui me paraît essentielle. Il faut qu'ils aient quelque chose à faire pour leur vie propre. Il ne faut pas qu'ils fassent ça pour la caméra. Ils ne construisent pas un bateau parce qu'on fait un film. On fait un film parce qu'ils construisent un bateau. Et tout le reste, c'est de la... À partir du moment où on fait ce principe-là, on manque jamais son coup. Il y a un instinct qui est presque un instinct de chasseur. Si le chasseur s'installe à un endroit tel que le gibier, qui suit toujours le même chemin à peu près, est hors de portée, il va tirer toute la journée pour rien. Bon. Et par contre, si on se trouve placé comme de telle manière, il y en a qui vont tirer quand même, d'autres ne tireront pas. Et c'est ça qui est très important. Je pense que c'est tragique si vous essayez de tourner quand vous êtes hors portée. Mais quand est-ce que je suis hors portée? Je ne sais pas, je le sens. Je ne peux pas vous dire qui fait que je suis hors de portée. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je ne tourne... Un jour, je tourne, d'autres jours, je ne tourne pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, absolument pas. Je voulais dire une chose là qui me paraît importante, c'est que le film est une séquence de l'action que vous filmez. Oui, ça c'est essentiel. J'ai appris beaucoup de pour la suite du monde. Je me suis aperçu que pour la suite du monde avait été possible, pas pour eux, pour nous. Parce qu'il y avait le marsouin, il y avait quelque chose d'extérieur qui attirait tout le monde. Et de cet enseignement-là, j'en ai tiré la conclusion qu'il fallait, pour faire cette sorte de cinéma, il fallait placer les gens dans leur vie. Si on essaie de les placer dans un schéma qu'on fabrique avec sa tête, qu'on leur demande d'agir comme si, peut-être que quelqu'un peut faire ça, moi je peux pas. Ce que je peux faire, c'est les observer dans quelque chose qui leur est essentiel. Au début, on a eu fini pour la suite du monde, on s'est dit c'est fini, il n'y aura plus jamais de marsouin. Mais il y a des marsouins dans toutes les vies. Là, il s'agit de le trouver, c'est tout. Oui, j'aimerais savoir si une fois que vos films sont finis, si vous les montrez aux gens qui ont participé au film et qui ont joué dedans, et si même vous prenez conseil d'eux pour savoir comment finir le film. Bah, je prends conseil d'eux sur des questions, évidemment, que je ne connais pas, qui ressortissent de leur,
de leur métier ou des choses comme ça, comment interpréter ou analyser un phénomène, mais pas au point de vue montage, bien sûr. Cependant, je montre toujours le film avant qu'il ne soit entièrement terminé pour le faire approuver. Parce que, évidemment, par cette méthode-là, les gens arrivent à dire parfois des choses qu'ils pensent, mais qu'ils n'aiment pas. Toujours qu'on entend. J'avais posé la question, d'ailleurs, ça a été longtemps dans le film Le Règne du Jour, j'avais posé la question à Alexis. Et Alexis m'avait dit, il dit, ça fait plusieurs films que je fais, de moins en moins, d'une certaine manière, parce qu'il dit, il y a des gens qui font ces films-là, qui nous posent des questions, qui nous font dire... Ce qu'on veut pas dire. Ce qu'on veut pas dire. Qui est réel, par exemple. Qui est réel. Il y a toujours, voyez-vous, par exemple, comme on peut dire, un quelqu'un qui est en avant, pour nous dire ce qu'on ne veut pas dire. Puis ces gens-là, ils appellent ça des suppôts du démon, puis ils disent que je suis un suppôt du démon. Et là-dessus, Marie a dit... J'ai dit de ce que je dis, oui, c'est tel que je pensais, puis je fais. Vous avez remarqué? Marie, elle a une espèce de celui qui lui fait accepter... Le meilleur et le pire. Elle sait qu'elle n'est pas en situation privilégiée, qu'elle n'est pas une reine, t'sais? Et ça ne lui fait rien qu'on le sache. Tandis que dans Alexis, il y a un peu plus de pudeur. J'espère que ces gens n'aient pas existé dans ma vie. Et même des émissions de radio. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis 2 ou 3 ans avec lesquels j'ai fait une émission malheureuse de ne pas les avoir vus. Et n'importe qui d'entre eux maintenant pourrait me téléphoner pour n'importe quoi, je me sens obligé à eux. Je me sens obligé à eux, pas parce que je les connais d'une certaine manière. Mais quelqu'un qu'on connaît, c'est comme un frère, on est toujours obligé pour son frère. On ne sait pas pourquoi, on peut ne pas avoir vu son frère pendant 20 ans, puis après on dit « Salut grand tabarnak », comme dans le film de Michel Brault. Tout recommence instantanément, c'est la même chose. Personnages qui ont les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et ça vous donne une grande. Ça vous oblige à rester complètement disponible à ce qui peut survenir alors. Mais vous êtes un peu à la merci de. Vraiment, à la merci. Il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui leur arrive me concerne directement. D'ailleurs, je suis devenu, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, par la suite des événements, je suis devenu maître de pêche et à n'importe quel moment, il me téléphone pour une assemblée, je pars de Montréal. C'est insensé, je ne ferais pas ça pour si j'étais sociétaire dans la compagnie de pâte et papier qui est là, la Domtar. Et je le fais pour le coup. Vous pensez que vous avez une responsabilité vis-à-vis des gens que vous filmez alors? Je crois que oui. Je crois que oui parce que... C'est pas comme un comédien ou autre chose, c'est pas un matériau qu'on achète. C'est vraiment une entente prise entre nous. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Je fais pas un contrat avec eux par lequel ils s'engagent à me donner tout ce que je veux prendre. Le contrat se poursuit et il faut le revérifier en cours de route. Et je pense que c'est plus valable. D'ailleurs, je ne paie jamais les gens parce que justement, c'est pas, je peux pas acheter ce matériau-là. Je peux pas dire à quelqu'un, je vais te payer tant pour... C'est pas possible, qu'est-ce que vous voulez, c'est eux-mêmes. J'en ferais des esclaves. Hein? C'est vraiment la traite des Noirs ou des Blancs, mais c'est horrible. Je peux pas payer les gens, d'ailleurs j'aurais pas l'argent pour le faire. Oui, c'est vrai.
Je pense qu'ils passent tous au-dessus de la ville, du moins moi je les entends. Et par les oiseaux, on communique avec le fleuve. Les oiseaux suivent le fleuve, c'est certain. Alors, aussitôt que les oiseaux passent ici, on sait que les oiseaux sont rendus à l'île d'Orléans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des oies blanches. Il y a ici, en Amérique, à l'est de l'Amérique, il y a un grand voilier de oies blanches. Ça s'appelle l'oie hyperboréenne. Et il y a à peu près 100 000 oies. Chaque printemps, ils viennent, toutes les oies s'installent au Cap Tourmente, près de Québec. Il y a 100 000 oies, là. La neige s'en va, puis une autre neige arrive. Les battures sont couvertes de ces oies-là. C'est absolument fantastique. Il y a le son des oies, il y a toute cette vie-là. Mais de penser que tous les ans, pendant 2 mois au printemps, et tous les ans, pendant 2 mois à l'automne, 100 000 oies viennent s'arrêter à ce même endroit à cause d'une herbe, de la rouche. Alors, évidemment, qu'elle passe, on sait que c'est arrivé. On sait que c'est arrivé, puis moi, à ce moment-là, il faut que j'aille voir. J'ai besoin d'aller voir. À Montréal, bien sûr. Et puis, il y a aussi le port. Par le port, bien, je suis en communication avec les navires, particulièrement les navires qui m'intéressent beaucoup, les goélettes, dont je vous ai parlé déjà. Alors, Montréal, non, c'est pas... Puis, les gens, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que les gens sont ce qu'on appelle dans importance dans l'histoire du Canada, les voyageurs. Le voyageur, c'était celui qui partait faire la traite, etc. Et le voyageur existe encore. Et il y a quand même des gens comme ça qui ont un travail qui les amène à voyager, à sortir de Montréal. Et inversement, il y a quantité de gens des campagnes. Prenez les locaux. Mais les locaux ici, sur le port, une proportion, on ne les a pas trouvés aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, mais il y a une proportion importante des gens des locaux, le printemps, ils partent, ils s'en viennent sur le port, débardeurs, les dockers. Vous vous imaginez que, disons, 35% viennent à Montréal sur les quais, ils arrivent au mois d'avril, ils repartent au mois de décembre, mais autrefois, ils ne retournaient plus à l'île aux Coudres, et vous avez des navigateurs. Il y a 21 petits bateaux de cabotage à l'île aux Coudres, et beaucoup de gens de l'île aux Coudres sont marins sur les bateaux des lacs, des grands lacs, sur le Canada Sea, etc. Alors, il arrive ceci que pendant l'été, l'île est un endroit de villégiature très calme, et tout à coup, au mois de décembre, tous ces gens-là arrivent. Et il faut qu'ils se retrouvent. Pourquoi ils reviennent en hiver? Mais ils reviennent en hiver. Au Coude, c'est le centre du monde, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui s'installent ici, qui restent, qui ont quitté l'île depuis 20-25 ans. Eh bien, ils vont vous dire encore que celui-là, c'est un homme de l'île. Ils appartiennent à un foyer, là. Peut-être que tous les villages n'ont pas cette attirance sur l'île. Mais il y en a quelques-uns. Et l'île au côté de ceux-là, il y a quand même un certain nombre de traditions qui sont celles-là, les traditions du retour. Ça diminue depuis quelques années parce que justement le retour n'a pas la même efficacité qu'autrefois puisqu'on vient tout l'été. Mais autrefois, c'est-à-dire il y a 5 ans, 4 ans, tout le monde revenait à l'île au côté au mois de décembre. Alors là, il y avait le retour. Toutes les fêtes. L'hiver, c'était une fête. C'était tout l'hiver, trois mois. Noël, et puis la mi-carême, et puis le carnaval, tout ça. C'était une grande fête. Noël, ça commençait, ils arrivaient, ça commençait avec les boucheries. Alors, une boucherie, vous avez vu dans le règne du jour, une boucherie, c'est une fête. La fête du cochon. Et ça, c'est assez curieux parce que
Il y a Jacques Rousseau qui est un anthropologue assez réputé, il a enseigné pendant 3 ou 4 ans à la Sorbonne d'ailleurs, m'a dit, vous avez peut-être pas remarqué, mais en filmant la fête du cochon à l'île aux Coudres, vous avez montré comment tous les anciens rites du sacrifice subsistent à l'heure actuelle. Je crois que sans le cinéma, on ne peut pas parvenir à connaître des hommes aussi différents que ceux que j'ai connus, aussi bien, parce qu'on n'a pas de motif pour pénétrer, leur parler, aller à l'intérieur d'eux-mêmes, leur poser des questions. On reste en dehors, d'autant plus, par ailleurs, que ce qui est fixé peut être regardé à plusieurs reprises, et à force de regarder une chose, on l'entend mieux. Vous êtes à vous parler pendant 10 minutes, vous entendez un certain nombre de choses. Vous réécoutez la bande, vous en entendez le lendemain, vous en entendez 10 fois plus. Et ça, c'est surtout vrai pour le langage populaire, parce qu'il y a des mots que vous n'apercevez pas immédiatement. Il y a des accents, des intonations qui partent pour vous, pour lesquels vous pouvez vous attarder ensuite, qui vous étonnent et que vous, en quelque sorte, portez en vous. Et à force de les connaître, vous parvenez à les reproduire, et à ce moment-là, on dirait que vraiment vous les avez assimilés. Avant, vous ne les avez qu'entendus. Mais est-ce que c'est pas un peu comme si vous les recréiez à ce moment-là, justement? Ça, c'est curieux. Comment exprimer ça? Alexis est mort. Et puis pourtant, Alexis me parle tous les jours. Est-ce qu'il est encore vivant? Il y a un mystère pour moi. Parce que c'est pas un comédien, c'est pas quelqu'un qui joue quelque chose d'autre, c'est... Et lui-même. Et c'est tellement lui-même qui est là que Il est dans, tout entier dans cette parole. En fait. Dans sa parole. Dans sa parole. Son image. Oui, son image. Dans son image, mais je n'ai pas besoin de son image pour le voir. Dans son... Évidemment, à certains moments, vous n'avez même pas besoin du son. Et je pense que le son a une sorte de richesse que je possède, que je réécoute à des dimensions que la parole de quelqu'un, la parole volatile, c'est un papillon la parole, ça passe, on ne peut pas avoir. Il n'y a peut-être aucun homme au monde dont on possède autant de paroles qu'Alexis. Ça m'impressionne ça. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va résulter de ça? Quelle sera la signification? Parce que c'est un phénomène, vous savez, les gens parlent depuis que le monde existe, les gens ont parlé avant d'écrire. Mais tout ce qu'on connaît des gens qui ont parlé, c'est ça. Peut-être que la parole, la vraie parole qu'on commence à considérer, à examiner, va changer beaucoup de notre façon de voir l'homme. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que vous pensez qu'on va garder trace de la parole comme on a gardé trace de l'écriture, justement? C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on connaît l'homme. On connaît l'homme d'autrefois parce que certains gens l'ont dit, mais par l'écriture, c'est-à-dire à travers le miroir de l'esprit qui refait pour toutes sortes de histoires, pour agrémenter, ou même s'il refait pour être vraiment son objectivité est faussée par toutes sortes de facteurs, par la mémoire. La mémoire nous trompe continuellement. Tandis que tout à coup, ce problème-là n'existe plus. On peut posséder la parole telle qu'elle et l'examiner. Et les gens, dans 50 ans, pourront examiner certaines paroles qui ont été prononcées aujourd'hui. Peut-être que cet instrument-là va leur permettre de juger de nous, comme on n'a pas pu juger les gens d'autrefois. Et c'est surtout vrai, à mon sens, pour les gens saints, les gens du peuple, qui ont toujours été traduits par des gens différents d'eux-mêmes. Oui, quand on voit hier à travers... les auteurs dramatiques, les valets de chambre, c'est un type qu'on voit. Mais l'un valet de chambre, il est même un valet de chambre quelconque, il ne peut pas se confondre avec lui. C'est une image, c'est une traduction, ça a une valeur. Mais tout à coup, regarde, qui aura peut-être une autre valeur, qui peut peut-être changer notre jugement sur l'homme. Moi, je pense particulièrement au langage. Le langage nous apparaît comme une série de mots. C'est faux. Dans le langage, l'intonation qui n'a jamais été notée est aussi importante que le mot. Dans l'éloquence également. Tout à coup, on fait la noter. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas venu à l'esprit des gens. Alors cette réflexion-là, ce travail-là n'étant pas fait,
il nous manque un certain nombre d'éléments pour juger de la valeur véritable de ce film-là. Moi-même, je crois que je progresse chaque jour et je considère chaque jour plus important le fait d'avoir noté certaines valeurs. Parce que je peux faire des comparaisons, parce que ça s'affermit en moi. Au début, c'était comme une sorte d'accident. Au fond, je ne le faisais pas en pensant que je faisais une chose importante. Et maintenant, je commence à penser que c'est peut-être important et que ça va peut-être nous aider à penser différemment certaines choses, et surtout l'homme et l'homme seul. L'homme qui n'a pas, qui s'est jamais exprimé par lui-même. Quand je les écoute, ces choses-là, traduites exactement par les gens, je m'aperçois que il y a des dimensions qui m'avaient échappé. La mémoire ne peut pas retenir une sorte de relation dans la façon de dire les choses, dans la situation. Il y a des valeurs qui ne sont pas dans le fait d'être humain. Tout de suite, j'apprends beaucoup de choses, et ça, le fait d'écouter. Même entre la même parole écrite et entendue, il y a des différences énormes. Elle n'a pas le même poids, elle n'a pas la même signification. C'est pour ça que les journalistes sont extrêmement dangereux. Ils prennent le général de Gaulle. Le général de Gaulle a dit le Québec libre. Ils font tête d'affiche avec ça. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce que pour avoir. Il fallait être exactement là, à l'hôtel de ville, parmi la foule. C'est pas le général de Gaulle qui a dit Québec libre, c'est la foule. C'est le public. Le mot m'intéresse surtout s'il est vide. Le mot m'intéresse surtout s'il est accolé à une réalité. Je n'irai pas chercher des mots dans les vieux livres. Seulement si un mot, je le rencontre, un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires, ce sont les mots que je préfère. Si je le rencontre dans la vie quelque part, là il me passionne. D'abord parce que quand on rencontre un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires, en général c'est un mot qui exprime une réalité particulière et qui n'est très rarement exprimée par les dictionnaires. C'est assez curieux de vous raconter une chose. Dans mon dernier voyage en Europe, on m'a parlé de la région de... Je ne le trouvais pas. Ça ressemble à Toronto. C'est dans le Languedoc, au sud de la France. Un langage un peu particulier, un langage qui est très parent du limousin. Bon, alors, ces gens-là ont 14 ou 15 mots différents pour décrire l'eau dans un ruisseau. L'eau a des gestes. Ces mots-là, c'est un scandale. C'est extraordinaire. La personne qui m'a raconté ça, je l'écoutais. Je les comprenais, les mots, je les avais jamais entendus. Je les comprenais, elle parlait du ruisseau à tel moment, puis elle utilisait tel mot, je le comprenais. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas notre... ça, à ce moment-là, les mots m'intéressent. Il y a des mots qui... Bon, un poème que je suis en train de préparer sur le froid va s'appeler gélivure. Je n'ai jamais vu le mot gélivure, ça n'existe pas dans les dictionnaires, c'est un canadianisme. Ça désigne une réalité qui n'est pas décrite dans le dictionnaire, ce sont les engelures des arbres. Et quand il fait très froid l'hiver, avec l'écorce, une gélivue, c'est extraordinaire. Alors à ce moment-là, les mots m'intéressent. Mais les mots trop savants, les mots là, les mots qui sont morts, pas vivants, là je suis moins intéressé. Alors, c'est peut-être que mon attitude se justifie, mais peut-être qu'elle ne se justifie pas. Ils sont tous là. Il y en a, je pense, 250 bobines de 5 pouces. Je ne sais pas comment vous les bobines de cette grandeur-là. Ça, c'est la plupart du son synchrone. Il y a quand même un peu de son libre à certaines occasions, parce qu'on utilise parfois du son libre sur des images, du son libre qui est souvent des récits ou tout simplement du son, l'ambiance sonore. Et cette matière-là,
Moi, je la garde et je l'étudie à partir du son strictement. Le montage, dans une salle de montage. Mais moi, avant de travailler au montage, j'étudie la matière sonore. Je l'assimile et je lui trouve ses significations. Je cherche à la composer déjà. Et c'est à partir de cette connaissance-là que je dirige le montage. Je le dirige le montage. Il y a d'autres aspects, il y a des opérations, il y a des gestes, il y a une quantité importante de visuels. Mais l'ensemble du film, sa dramaturgie, si vous voulez, est basée sur l'enregistrement sonore et sur la connaissance que j'en tire en le copiant comme ça. Là. J'en ai... Ça, c'est le règne du jour. Dans le règne du jour, il y a 128 bobines comme ça. Elles sont toutes copiées, sauf quand ça n'a vraiment pas d'intérêt. Elles sont soulignées et c'est à partir de là que je les recherche des fois dans les chutes. Et ça vous permet de... Une phrase m'intéresse, je sais où la trouver. Ça me permet de... Ça vous permet de renverser l'ordre que vous aviez prévu au tournage à ce moment-là. Ben, on prévoit aucun ordre au tournage. On tourne en fonction de ce qui existe, de ce qui est vécu, des circonstances, par le fait d'être présent à la vie des gens. Et ensuite, avec ça, on essaie de signifier, on essaie de dire ce qu'on a vu et entendu, mais au moyen strictement de la matière photographiée et enregistrée. C'est-à-dire que je n'analyse le matériel photographié et le son que par comparaison avec lui-même. Il n'y a pas de commentaire, autrement dit. C'est en voyant une chose et une autre que tout ça s'éclaire. J'ai commencé au fond à comprendre cette façon de procéder en faisant de la radio. Je faisais de la radio comme on fait des films, en quelque sorte. Même chose, des enregistrements sur un sujet déterminé, je le copiais, et là, je le recomposais, je le découpais en petites parties, et je le recomposais suivant un ordre qui permettait qu'on comprenne bien. Au fil de la conversation, on peut avoir besoin tout à coup d'une explication. Moi, j'étais là, je comprends un mot qui est difficile, je le fais expliquer un quart d'heure plus tard. Je replace l'explication. Il y a des tas de facteurs comme ça où les comparaisons possibles, les opinions sur la même chose, tous ces facteurs-là déterminent ma façon de procéder. C'est un casse-tête chinois. Ah, vous voulez commencer par entendre ça? Il va te dire que dans absolument en 34, 28, en 35, il est venu avec la grande armée de Ptarmine, puis de l'Orient. En 1534. Voyons, tu dois le savoir, ça. Voyons. Non, je ne sais pas, mais je ne me rappelle pas. En 1534, il est venu à Gaspé, puis en 1535, c'est rendu, comme on peut dire, à Montréal. Il a monté par. Ça, voulez-vous que je réponde au téléphone? Ça vous gêne pas, vous verrez. Allô? Oui? Tu veux parler à qui, là? As-tu besoin de moi? Je suis occupé. As-tu besoin de moi? Je suis occupé. Oui, oui. Peux-tu me rappeler demain matin? D'accord, merci. Oui. Ça, c'est un enregistrement que j'ai fait pour le film des Goélettes à un chantier maritime où on construisait une reproduction, une réplique plus ou moins exacte, la Grande Hermine. Les gens des locaux, ils sont extrêmement solidaires avec Jacques Cartier. Alors, tout de suite, évidemment, ils se posent des questions sur Cartier, même s'ils n'en connaissent rien, mais ils savent que Jacques Cartier est arrêté chez eux. Ça les préoccupe beaucoup, et par contre, ce sont des navigateurs. Le film porte sur la navigation, ce film-là. Alors, Alexis, qui est le savant de les locaux, les instruit de ce qu'il sait, les dates, etc. Mais en définitive, ce qui est important... C'est pour eux de voir ce bateau-là. C'est un étonnement extraordinaire parce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils peuvent pas réaliser qu'on ait pu, avec un bateau semblable, venir au Canada. C'est-à-dire que oui, mais seulement le capitaine, là, Éloi, qui s'adresse à Alexis, il pense que c'est purement un effet du hasard parce que, ben, il va vous le dire. La petite Hermine. Je suis de la Clavière, puis là, c'est là qu'il y a mon tant qu'un autre. Mais il n'était pas si avancé que ça, comme vous dites, dans ce temps-là, pour faire une pareille voiture.
Parce que à l'île aux Coudres, on appelle les bateaux des voitures d'eau. Premièrement, ils envoyaient, c'est pas lui qui te mêle, hein? C'est tout le bateau qui te mêle. Si c'est exactement le plein qui est parti de ça pour le large, là, je vais naviguer 30 ans, moi. J'ai vu des bateaux qui étaient maîtres du gars, puis j'ai vu des gars qui étaient maîtres du bateau. Comme nous autres, on a un bateau que Mabé Mayou a bâti, là. Puis on est maître du bateau. Quand on envoie en tempête, là, c'est le capitaine envoyeur qui revient. Puis il y en a que d'autres, c'est le contraire. C'est le bateau qui est maître du capitaine. Ça me moque de deux choses. Moi, le capitaine, le modèle, moi, c'est le bateau qui est maître, qui était maître du capitaine. Ce bateau-là était maître que de deux. Il est parti pour aller où, matin, vous le dites, vous? Hein? Il est parti pour aller où, c'est en Canada. Il est parti pour aller découvrir, comment on peut dire, découvrir la Queen. Les gouvernements peuvent bâtir ça. C'est une commémoration, comme on peut dire. C'est un souvenir. Comme par exemple, Coudon, tu gardes un portrait de ton défunt père, ta défunte mère. C'est un souvenir. C'est une convention pour tout le Canada. Il est moyennement grand. Vous connaissez déjà assez bien Alexis. C'est toujours son attitude. Mais pour bien vous montrer comment, pour Alexis, Cartier est important, je voudrais vous faire entendre autre chose. Quand Jean Cartier est arrivé au Canada, il a calculé qu'il a trouvé que les savages, il y avait des savages. Bon, mais pas l'île aux Coudes. Ben, Coudon, il n'a pas dit dans son histoire qu'il a trouvé l'île aux Coudes, mais par exemple. Il n'a trouvé, mais il y en avait, mais c'est un pote, il y avait tout ça. Il n'a pas été là, il n'a pas été là, mais c'est pas Jean-Cartier. Ça lui a tout pris pour arrêter à Lille. C'est un homme de la controverse. Tu crées ce que tu voulais. L'histoire puis que tu comprends, puis t'en comprends très peu. L'histoire rapporte pas que Jean-Cartier était à Saint-Paul, il n'est pas question jamais. C'est nous autres qui inventons. Ben, ça, le thème de Cartier, c'est presque. C'est presque vital, parce que Cartier symbolise le passé, qui est le grand maître des vieux, et puis tous les jeunes sont dans la controverse. En définitive, Cartier revient très souvent dans le film, parce que l'histoire ici au Québec ne fourmille pas de très grands personnages. En définitive, l'histoire française de Québec aboutit à une défaite. Et puis il n'y a que Napoléon qui soit célèbre d'une grande défaite. Les autres, on en parle moins. Et puis Cartier a un prestige parce que c'est le premier des voyageurs et c'est le métier de voyageur. Et c'est le cow-boy de l'Ouest. Pour nous, c'est le voyageur. Cartier est un grand voyageur, alors c'est très important pour les gens de l'île aux Coudes, mais c'est surtout ce qu'on oppose à la jeunesse. Au fond, il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Et il n'est pas étonnant qu'on retrouve ce thème de Cartier dans Le Règne du Jour, par exemple. Il y pense un peu, il est à Saint-Malo. Oui, évidemment, Cartier vient de Saint-Malo, il s'étonne que Saint-Malo soit une île, il ne savait pas que Saint-Malo était une île. Et puis, tout à coup, il rencontre un vieux constructeur de bateaux, un vieux constructeur, enfin il a surtout fait des réparations de Terre-Neuve. Mais il rencontre Jacques Cartier à ce moment-là, c'est extraordinaire pour lui, parce que lui, le voyage est important, les bateaux, il a travaillé, Alexis, sur 19 bateaux comme maître bordeur. Alors il est très ému, puis il s'aperçoit que cet homme-là peut construire des maquettes de bateaux, il lui demande immédiatement une maquette de la grande erreur. J'en ai construit 19, moi. Une goélette deux mâts. Alors un, deux... 3, 4 jibs. Ça vous dites? 1, 2, 3, 4 jibs. Ah oui, les jibs, oui. C'est les phoques, bon. On appelle ça le phoque ici, ouais. Le flin de jib. Le jib, c'est ça. Bon. Ah? Ah, mais c'est une batte face à l'angle. Bon, c'est ce que je savais pas. Je suis content. Maintenant, Jacques Cartier, déjà avec les petits-enfants, ça s'éloigne. Vous savez. Je voudrais apporter un souvenir de ces maquettes-là. Le souvenir veut tout en rester. Ah, ben oui, bien sûr. Oui. Vous dites, regarde, à partir de Jacques-Cartier, il est en 1400. Oui. 1535. Oui. Je trompe de date, des fois. Et puis, on est rendu en 1960. Puis, je crée me rappeler. Je ne l'ai pas vu. Ça fait me rappelle. Ça fait presque 5 siècles. 4 siècles. Ben oui, puis je me rappelle. Oui, ben oui. Je m'évine. Oui. Comment est-ce qu'il a pu faire? Oui. Fait que donc, comment qu'il y avait encore un siècle par en arrière, les petits-enfants devraient s'en rappeler pareil comme moi. Ah oui, bien sûr. C'est dans le film, ça. La première phrase était dans le film. Le reste n'est pas dans le film, mais ça pouvait vous intéresser de voir. Pourquoi c'est pas dans le film? Pourquoi vous l'avez coupé? Et c'est-à-dire que... Il y a une
Le facteur, il y a une question de vivacité. D'ailleurs, on l'a gardé longtemps. On l'a gardé longtemps, mais sans doute qu'on est arrivé à la conclusion qu'on répétait quand même un certain nombre de choses où ça s'éloignait du thème central, de l'idée centrale. Parce que cette séquence, en définitive, avec l'intérêt que Cartier porte, qu'Alexis porte à Cartier, est surtout faite pour montrer leur attitude en face de la mort. L'importance du souvenir pour Alexis, il croit se perpétuer plus que Marie. Marie, elle conçoit la mort de façon beaucoup plus pratique. D'ailleurs, je pourrais peut-être un jour vous faire entendre ça, un enregistrement où elle la décrit. C'est très concret. Alexis, sa mort, c'est un souvenir. Il en fait. Mourir pour Alexis, c'est devenir un ancêtre. Mourir pour Marie, c'est être porté en terre par ses enfants. Et elle a dit ce mot, a dit, j'ai eu 18 enfants. Je ne voudrais pas être enfourné dans les fourgons modernes, etc. Elle a dit, je voudrais être porté par 4 de mes enfants. Et elle a dit un mot qui est extraordinaire pour nous. Elle a dit, ce serait le plus beau portage. Or, le mot portage ici a énormément d'importance. Portager. Un portage, c'est un sentier. Un sentier d'un lac à un autre. Et il y a un passage d'une vie à l'autre. C'est le plus beau portage. Et le portage, c'est la vie des coureurs des bois. C'est le portageur, c'est celui qui a le collier, qui porte le canot, qui porte la charge. Moi, en tout cas, c'était très très beau, ce mot. Pour que le temps passe. La mort était très près d'Alexis, en tout cas. Je ne sais pas si... Il la voyait, elle était toujours présente dans lui. Il en a parlé un quart d'heure avant de mourir. Un quart d'heure avant de mourir, il a donné rendez-vous à Québec à un ingénieur en lui disant « Si le bon Dieu me prête vie. » C'est assez impressionnant parce qu'il pensait toujours de cette façon-là. Il ne se comptait pas beaucoup sur l'avenir. La seule grande chose qu'il espérait, c'est de se perpétuer dans la mémoire de quelqu'un, devenir un ancêtre, comme Jacques Cartier est le grand ancêtre pour les navigateurs du fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'il pensait que le cinéma l'aiderait à se perpétuer? C'est sûr, puisque c'est la pensée d'Alexis, mais c'est surtout Grand Louis qui l'a exprimé quand il a dit, dans le film Pour la suite du monde, ce qu'on vient de faire, ils viennent de planter les arts. On fait ça pour la suite du monde, pour se perpétuer. Il le disait de deux façons, j'en suis certain. Il le disait en pensant au film, autant qu'en pensant à l'action de retendre la pêche au marsouin. Il a même dit, en parlant du film, ça va mettre la pêche au marsouin dans les archives. Ils ont ce sentiment, ce besoin, et c'est assez curieux de la part de gens pour qui l'écriture n'a pas tellement de poids. Je pense que c'est une situation qui rejoint la vôtre complètement. Oui, oui, et j'ai l'impression de me situer par rapport à ça à un point. Quand on commence à écrire, on perd la mémoire. Quand on commence à savoir lire et écrire, on perd la mémoire. Et leur mémoire est une très, très ancienne mémoire. Je vous ai parlé l'autre jour du fait qu'un anthropologue montréalais avait considéré la séquence du règne du jour à propos de la mort du cochon comme un phénomène à observer. Il a dit qu'il a retracé en elle tous les vieux thèmes du sacrifice ancien, de toutes les tribus primitives, etc. C'est une sorte de mémoire qui se continue. La vie moderne a aboli cette mémoire. Oh, le poêle, c'est pas, la mort du cochon. Et la mort du caribou dans la série Neuf France, que je décris dans le livre Toutes Îles, m'aide à comprendre ce que c'est que la viande que je mange tous les jours. Au fond, on a abandonné aux mains des machines, le soin de faire pour nous des gestes fondamentaux. La mort d'un animal, on ne peut
à bord d'un animal. Et il s'est trouvé qu'à Cannes, on a vu des gens très intelligents, très cultivés sans doute, ont vu la mort du cochon. Et ils ne sont pas sortis quand ils ont vu le film Dutchman le lendemain où on tuait un noir dans un banc de métro. C'est pour l'empêcher de souffrir trop longtemps. À la santé du cochon. À la santé du cochon. Allez. À la santé des charcutiers. C'est pas de la charpette. Et cette mort du cochon, on la trouve souvent dans le film. Et même les moments renvoient l'un à l'autre. C'est d'abord dans le Perche et ensuite au Canada. Et cette structure en miroir, cette scène, c'est certainement pas prémédité. Vous avez pu observer que je travaille à partir d'un matériel complexe et je cherche à l'expliquer par lui-même. Et même en tournant, ce que j'ai tourné, j'essaie de le comprendre en tournant autre chose. C'est ce qui fait qu'en définitive, les séquences se répètent les unes les autres. La base, le point de départ du film Le règne du jour, c'était, je me disais évidemment, j'espérais pas tellement que le voyage en France rapporte autant qu'il a rapporté. J'avais peur, étant donné qu'on avait si peu de temps avec les gens du pays, les gens du Perche, je me disais peut-être qu'on ne pourra pas faire du tournage aussi très concluant. Alors j'espérais beaucoup, quoiqu'en définitive, moi je suis très satisfait. Ça a été aussi bien que Khalil Oukoudre. Mais j'espérais que le récit donnerait valeur à la façon de voir les... Ah, j'ai construit le film là-dessus. Avant, vous l'avez construit? J'ai pensé à le film comme ça, avant de le tourner. Je me suis dit, en revenant, je tournerai le film. Je fais le voyage, je tourne et en voyage, mais c'est au retour. En définitive, le voyage a été intéressant. Le tournage me paraît très intéressant. Mais j'ai continué dans cette optique-là. Et je crois que même j'aurais pas pu faire le film seulement avec ce qu'il y a en France. Parce qu'il y avait le mystère. Comment dire ça? Dans toute situation, il y a une contenance, il y a une réflexion. La réflexion n'apparaît pas nécessairement. C'est cette réflexion-là qui me paraissait pouvoir donner vraiment toutes les dimensions possibles aux faits, aux événements. Mais. J'ai progressé à l'intérieur de ça, et tout à coup, au Canada, d'autres situations avaient besoin de s'expliquer, et je tournais toujours des séquences. Alors, tout se regarde, se converge en quelque sorte, de la même façon que dans Pour la suite du monde, où vous avez une action, un fait qui se produit. On retend la pêche, mais pour l'expliquer, au lieu de... Parce que il y a des choses... sont intraduisibles. Pour l'expliquer, au lieu de faire un commentaire, je demandais au vieux de dire comment la pêche se passait autrefois. Alors, vous aviez le passé et le présent qui s'expliquaient l'un l'autre. Après moi, il y a du monde. Après toi, il y a du monde. Oui, ça, tu transmets ce que tu de ce que tu es, ton naturel, moi le mien. Ah, oui. Il y en aura peut-être pas comme les autres. Ben... désireront avoir un souvenir de notre voyage. C'est ça, c'est la fin d'une mémoire, et puis c'est aussi le début d'une technique. Et cette technique enregistrer des choses qui disparaissent, et peut-être que je participe beaucoup à l'esprit d'Alexis, peut-être que je suis un vieux déjà, et je crois beaucoup au passé, aux valeurs du passé, mais je crois surtout aux valeurs humaines. Et on dit souvent, c'est les derniers vieux, il n'y aura plus de vieux, c'est pas vrai, il y aura toujours des... qui ont vécu. Et c'est dans les êtres qui ont vécu qu'on trouve les richesses de la vie. C'est peut-être pour ça qu'on s'adresse à ces gens-là. Et c'est pour ça aussi qu'on
la fin d'un amour, la fin d'une vie, la mort, ont toujours été des thèmes qui nous ont permis à comprendre. Parce que tout était vécu plus intensément, là, tout devenait tragique, on n'était plus dans la facilité, et c'est pour ça qu'on regarde la vie à travers ces drames, à travers ces difficultés, et à travers la mort. Quand j'ai vu Madeleine pour la première fois, elle montait la colline, moi je sortais du bois. Un habit de dimanche en jupe simple blanche, on allait sous les branches, que les beaux jours sont courts. On allait sous les branches, que les beaux jours sont courts. Souriante et légère, je la soulevais de terre. Mademoiselle, s'il laisse faire, que les beaux jours sont courts. Mademoiselle, s'il laisse faire, que les beaux jours sont courts. La, 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 la. La li li la 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 la